Et on est de retour pour le 7e jour, 8e, je ne sais plus. 8e. Il est 15h19 en ce beau vendredi 27 mars. C'est un automne qui vous parle. Vous l'attendiez avec fébrilité, elle arrive. Ah, voilà. On voit derrière déjà un bureau des résidents flambant neuf ouvert ses portes. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le personnel de l'île accueille une nouvelle recrue de grande qualité. Ne sois pas timide, viens. Oh, c'est qui ça? Ah oui, Marie. Ah, c'est bon ça. J'ai beaucoup à apprendre, mais je ferai de mon mieux pour que chacun se sente bien à Lydia. Marie a déjà travaillé dans le service aux résidents. Je suis sûr que son aide sera précieuse. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le nouveau bâtiment, nous avons également offert une seconde jeunesse à la place. En principe, la place est conçue pour permettre aux résidents comme aux visiteurs de se retrouver, mais elle pourrait aussi accueillir certains événements saisonniers. On n'a pas fini de s'amuser. Ok, un détail près, je suis sur le point de conclure mon ultime butin insulaire. À partir de demain, c'est Marie qui vous tiendra au courant de tout ce qu'il faut savoir sur l'île. Ok. Nouveau bâtiment, nouvel employé, nous n'en finissons plus de grandir. Quant aux nouveautés du bureau des résidents, je vous invite à venir les découvrir sur place. Il va sans dire que nous organiserons une cérémonie d'inauguration pour le nouveau bureau des résidents. Tout le monde est invité, oui, oui. Bien, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On avance. On avance, ça c'est cool. Bon, nouveau bureau des résidents. Il va sûrement y avoir plein de choses nouvelles à aller voir à l'intérieur. Et surtout, j'ai mon crédit à rembourser vu que j'ai l'argent. Hier, j'ai farmé les papillons verts la journée. J'ai farmé à mort les papillons verts. Alors, ah oui, ça c'est bon, ok. Gulliver. Cher plagiste, voici un petit cadeau pour te remercier de ton aide. Je suis censé tenir la barre, mais je voulais t'écrire avant d'oublier. Il y a un récif droit devant. Toujours le même, ce petit Gulliver. Le suivant. Nook. Annonce du bureau des résidents. Pour célébrer l'ouverture de nos nouveaux locaux, nous proposons de nouveaux objets échangeables contre des miles et un service qui mettra 5 fois plus de miles à... Ah bon. Ça m'intéresse. Ça va nous intéresser. Bon, les cadeaux. Alors, c'est de l'argent? Non, pas God. Ok. C'est de l'argent? Non, un ticket Miles Nook. Super. Super, le ticket Miles Nook. Bon, on va aller voir ce nouveau bureau. Il y a des messages déjà. Timothée de Mirail. Ah. Il a dessiné la Triforce. Pas mal. On peut envoyer des... On peut écrire à distance dans les villes. Ok. Parle-moi d'un truc. J'avais grave envie de me balader. Ok. On va aller voir direct au bureau des résidents. Voir un peu ce qui se trame à l'intérieur. Voilà. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'attente du bureau des résidents. Flambant neuf amélioré par-dessus le marché. Aurais-je dit tente? Je voulais dire bâtiment, bien sûr. Mais grâce à toi, mais bien sûr. Donc, ok, j'ai un nouveau bâtiment, j'ai un nouvel employé. C'est pourquoi Marie est venue nous apporter son expertise. C'est mon premier jour. J'aurai donc fort à faire pour assimiler les tenants et les aboutissants de mon travail. Mais je me suis déjà acclimaté à la vie insulaire. Je suis donc prête à prendre ce défi à bras le corps. Responsable des chantiers de maison, Marie, quant à elle, s'occupera des problèmes généraux de l'île et de l'aide aux résidents. Assieds-toi au guichet approprié en fonction de tes requêtes. Ok. Bah, vas-y. Lorsque, un instant, voudrais-tu avoir la médecine de te présenter à mon guichet? T'inquiète. On va d'abord récupérer ça. Tout ça, c'est normalement à moi, je pense. Circuit. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est à moi, hein. Je crois.
c'est... Oui, normalement, tout ça, c'est à moi. Je vais en laisser quelques-uns. Oui, ça, ouais, parce qu'en fait, parce qu'on avait joué à deux en multi, enfin, en local, et c'était un peu le bordel. Donc ça va être indisponible tout à l'heure, en raison de travaux au bureau de résident, toutes les excuses pour les désagréments occasionnés. Nous offrons en compensation 500 miles à chacun de nos membres accédant au Nookstop aujourd'hui. De plus, le bonus quotidien d'accès au Nookstop sera porté demain au niveau maximum, 6 jours d'affilée. Ceci concerne tous nos membres, quel que soit leur stock personnel. Nous espérons que tu gagneras à profiter. Ok. Je vais pas rembourser le crédit maintenant. Je vais pas le rembourser maintenant le crédit. Je vais attendre un peu. Ticket clochette. Qu'est-ce que c'est ça? Vendre ce ticket à la boutique pour 3000 clochettes. Ah bon? Guide du four poche. Astuce de haut vol d'organisation des poches permettant de... Encore plus de choses. Ah bon? Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, ça, c'est des plans. C'est cool, ils vendent des plans maintenant. Ah oui, il en vend beaucoup des plans en plus. Waouh, ça, c'est classe. Ah, le robot géant. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas ce dont j'avais besoin, là? Je me rappelle plus ce que c'est, mais... Oh, tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Waouh. C'est beau. On va quitter, on va aller parler à Nook. Alors, mon petit Nookie. Oui, oui, tu es bien au guichet de consultation de construction. Avant de commencer, permets-moi de te détailler brièvement les services proposés à ce guichet. En plus de ma responsabilité normale, je serai ton interlocuteur privilégié en termes de construction. C'est-il peut-être le théâtre de bien des projets amusants et propres à rendre le quotidien plus agréable. Je peux par exemple t'aider à bâtir des ponts, ou installer des rampes, ou encore à déplacer des bâtiments. Tous ces services étant facultatifs, tu comprendras aisément qu'ils font l'objet de frais supplémentaires. Maintenant que te voilà au fait... Ok, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. On va voir combien ça coûte. Bien. Bienvenue au guichet de construction. Que je vais faire pour toi? Parlons infrastructure. Les ponts et les rampes. Ok, mais quand on a besoin. Il parle beaucoup là-haut, il n'arrête pas. Construire un pont. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, mais... Ah oui, les prix, j'avais pas vu les prix. Ah, j'avais pas vu les prix des ponts. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu cher le pont là, c'est bon. Merci, au revoir. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je veux pas de pont, je veux rien. Merci, au revoir. Allez, je me casse. Je vais rembourser le crédit déjà. Alors, on va utiliser le DAC. Dépôt. On va déposer tout ce qu'on a dans les poches. Ah, ben. Ah, j'avais déjà 300. Non. Ah, mais j'avais 300 000. Ok. Ah, ben, c'est bon. Clochette. Non, épargne. Hop, épargne. Bon, voilà. Crédit remboursé. Il me reste 85 000. Ça y est, tu as fini de rembourser pour la maison. Super. On va lui parler maintenant. Alors, merci encore pour le prompt remboursement de ton emprunt immobilier. J'aimerais toutefois te poser une question. As-tu réglé si vite? Oui, toujours la même question. Ok, ben je suis là. À propos de ma maison. Plus de dépendamment, j'essaie de voir. C'est dommage pas d'effectuer avant remboursement de la preuve, alors n'hésite pas. Non, non. Trop d'avantages. Je vais agrandir. Personnaliser, c'est-à-dire... Ah, personnaliser, c'est pour changer la couleur du toit. Ça ne nous intéresse pas. Ah,
Regarde le montant du crédit. Waouh, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est pour l'agrandissement de la maison. Ça fait mal ça. 758 000. T'as vraiment besoin de tout ça? Attention, les clochettes, sinon à quoi elles servent? Waouh! Wow, ouais, c'est joli ce qu'il a fait. On est passé sur, sur quelque chose de professionnel. Ah, il y a une fleur qui pousse là. Dégage-toi. Oh là, t'as vu la bleue chez toi? La, ah, verte, la verte. La bleue, la verte quoi? Oh, le papillon vert. Ah, oui, parce que tu les appelles des bleus toi. En fait, ils sont verts. Mais... Parce qu'il y a du bleu en bas, en fait. J'en ai pris quelques-uns dans la poubelle. Après, je sais pas lesquels sont à toi. Lesquels... Parce que tu te rappelles hier, quand on a joué... Hein... Ah oui, tout ça, c'est à toi. Armoire en bois. Ça, tout ça, c'est à Poussinette, en fait. Elle a mis là... Hier soir, elle a pêché tout ça. Et vu qu'elle a pêché... C'était fermé. Après 22h, bah, c'était fermé. Mais t'as du gros poisson là-dedans. Oh, les assiettes. Pop, 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 pop. Bonjour, soyez les bienvenus à la boutique Nook. Et c'est quoi le truc? Ah, c'est des toilettes. Attends. Alors attends, déjà je veux achète-moi des trucs parce que j'ai pas d'argent. Et voilà. Alors tac, ça je vends. Ok, ça dégage. Allez. 16 000. C'est quoi? Attends. Waouh, la chaîne elle est magnifique. Les petites platines et tout. C'est quoi ça? C'est des toilettes ça? WC japonais. Je le prends direct. Wow. C'est pour ma salle de bain. Allez, j'achète. T'en auras pas, tant pis pour toi. C'était combien? 1500. C'était pas cher. Hein. C'était pas cher du tout. Ça, je sais pas si je l'achète ou pas. Non, ça. C'est pas la peine. C'est pas mal, j'aime bien. C'est vrai? Ça peut, ouais, être assorti avec toi. C'est quoi ça? C'est une. Un gong? Ah, le gong, je suis obligé d'acheter un gong. Je suis obligé d'acheter, je peux pas dire non. Bon, les assiettes, c'est bon. Oh bah à plus. Bon, ben c'est bien. C'est quoi le produit phare de la journée? Armoire en bois. Mais je vais pas le faire. D'accord. Ouais, et pop. Je vais poser ce que j'ai. Il m'a donné un cadeau. Il m'a envoyé le cadeau l'autre là. Tu l'as placé? Non. Comment il s'appelle? Rudy. Gulliver. Gulliver, l'oiseau. L'oiseau alcoolique. Alors, attends. Ah, je peux pas le... Ah, j'ai obligé de... Je peux pas le coller à un mur, le gong. Ah, ok. Je vais le mettre sur la table, alors. Je pensais que je pourrais le coller sur un mur. Ok, il se colle pas à la table. Ah, il sert à quoi, ça? Voilà. C'est une sonnette? C'est obligé. Ouais, oui, mets-le dehors, comme ça je sonne. Avant de venir. Waouh. Ah, waouh, Gulliver, t'es allé loin, là, dans le délire, là. Waouh, je pensais pas que c'était aussi grand, la pagode. Ok. Ah, c'est géant, ce qu'il m'a donné. Je suis sûr que ça doit coûter super cher. Je vais aller voir le prix. Ouais. Le gong, je l'entrepose. Et ça, c'est... WC japonais, j'entrepose. Je l'utiliserai pas maintenant. Ça, pas maintenant. Ok. Bon, on va faire le tour de l'île, histoire de trouver les trous à fossiles. L'arbre à clochette, j'ai pas vu l'arbre à clochette. Ah, il a pas poussé encore. Ouais, pas beaucoup. Non, il reste un jour. Il reste un jour pour que les clochettes poussent. Je crois que ça va dépasser les 20 000. Franchement, si ça dépassait 20 000. Non ? Eh ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu veux en vendre ? Le vendre ? Je regarde le prix, hein. Parce que je pense que ça, je le mettrai nulle part. Très honnêtement, je ne vois pas mettre ça quelque part. Tout dépend du prix. Ok, ouais, Gilbert, c'est tout. Je te le vends pas. Non, je te le vends pas, c'est bon, dégage. C'est 20 000 divisé par 10 en fait. T'es presque dans le prix. Fallait juste diviser par 10. Par contre, nous, qu'il a énormément de plans, c'est abusé. Il y a plein de trucs. Oh là là. Tout ce qu'il y a chez lui là, c'est incroyable. Alors j'ai pas regardé. Et la musculation? Toujours. À lui parler. Alors. Il te reste deux. Il reste deux à qui parler. Là, j'ai vu que Myrtille derrière. Les autres, je les ai pas vus. Je sais pas où ils sont.
C'était quoi ça en bas? Un papillon blanc. Elle est chez elle. Je me rappelle plus son nom, elle. C'est le crocodile rose. On est en train de crafter. Odile. Qu'est-ce que tu fabriques? Un buisson en carton. Ben, donne-moi le plan, vas-y, buisson en carton, pourquoi pas. Ben, cool. On l'a, non? Non. Buisson en carton, non? Je crois pas. Je sais pas, je l'ai, lui. Non, j'ai pas le plan. D'accord. Pourquoi pas un buisson en carton? On l'a, mais on n'a pas le carton, je crois. Alors maintenant, on peut construire des ponts. Par contre, les ponts, ça coûte très, très, très cher. Bah, t'as le bout du bois, là. Non. Pour les ponts, il faut les payer. Il faut les payer chez Nook. Mais si je construis des ponts, ça sera plus, je pense, peut-être des ponts en béton, au moins un. Après, des beaux ponts en bois. Ça, c'est moi qui fais ça hier. J'avais besoin de bois, en fait. Et j'ai laissé tout le bois dur et le bois tendre. Je ne l'ai pas pris exprès. Mais ça disparaît pas. Du coup, je les ramasse. J'en ai vraiment pas besoin du bois dur et du bois tendre. J'en ai tellement. Mais bon. Bah, fais des armoires avec. Ouais, faudrait que je fasse une salle sombre avec que des meubles sombres. Une salle claire avec que des meubles clairs, tu vois. Par contre, il n'y a aucun fruit qui a poussé. C'est vrai. Ça, c'est pas cool. Ah, tu fais quoi toi? Il arrose. On papote? Il n'y a pas de désaltéré, hein, Ouïs? Attends, je vais lui offrir du bois. Voilà pour toi. J'espère qu'on peut donner du bois. Ah, donne-lui les trucs que t'as trouvé. Non, je donne tous les bois que j'ai là. Eh bien, du bois dur. Ouah, merci, c'est chouette. C'est parfait pour me lester les bras quand je bosse mes biceps. Exactement, c'est à ce que j'ai pensé en plus. Alors. Ah, il y a un x5, t'as vu? Ah ouais? Ouais, c'est la nouveauté maintenant, il y a des x5. Il y aura un x5 par jour, je crois. Vendre un article phare. Ah ben, je vais le faire l'armoire en bas du coup. Parce que c'est du x5. Ah, bleu. Ouais. Vert. J'ai un grand problème avec ce papillon. The papillon. Est-ce qu'il y en a un autre? Là-bas. Tout au fond. Je peux passer. C'est l'armoire en bas, on est d'accord, hein? Oui. Le truc basique, classique. Armoire en bois, ok. C'est bien d'avoir mis les fleurs ici. Ouais. Ça, les papillons poussent ici. Mais c'est bizarre qu'il n'y en a pas en haut. Ah, je crois que c'est le fait de les disposer comme ça. Peut-être, ouais. D'en mettre toutes les couleurs, peut-être ça les attire. Sachant que c'est du papillon qu'on revend 2500 l'unité, donc... t'en fais 10, t'en as... t'as 25 000. L'armoire en bois, c'est quoi le craft? Est-ce que c'est du bois normal, du bois... Ah, c'est ça ce qu'on a acheté, ce qu'on a eu là. Ah. Buisson en carton. Bah écoute, faut quoi d'ailleurs pour le faire? Bois tendre. Ok. L'armoire en bois, c'est celle-là. Oui. Il faut du bois normal, sachant que je suis en galère de bois normal. Ça va être compliqué. Ah, j'ai pas beaucoup de bois normal. C'est une galère. Je sais pas ce qui se passe, mais j'en trouve pas. Ça en rend. Je vais aller chercher du bois, hein, s'il le faut. S'il faut, on va aller chercher un peu de bois. Hein. Regarde, ah, il est en j'en ai 19, ben, j'en ai que 19. Il te faut combien? Non, j'ai ce qu'il faut, mais après ça, j'ai plus de bois. Quoi. Après ça, c'est fini. Mon stock, je l'épuise. Quasiment, il me reste 7 après ça. Bon, c'est pas grave, ça fait 1000 miles. C'est pas mal. C'est bien cette idée d'avoir mis un x5, c'est cool. Hop. T'as fait combien d'armoires? Une. Une seule? Juste pour avoir le x5, les 1000 miles, c'est tout. Y'a que ça qui m'intéresse, là. Sachant que des miles, je vais en consommer là de suite, hein, parce que j'ai vu des trucs. Notamment un truc là, je pensais pas qu'il y aurait ça, mais ils l'ont rajouté. Alors. Tiens, mon petit pote. Achète-moi le cher, hein. Au moins 10 000.
Ok. Au moins 10 000, on a dit. Hein. Allez. Armoire en bois. 2000. Oh. Bon, bah ok. C'est 2000 ? 1440 fois 2. Parce que c'est multiplié par 2, forcément. Ah, ça c'est bien ça, 1x5 là, c'est pas mal. Là c'est quoi ? Planter des arbres fruitiers, pêcher des poissons. Ah, pêcher des poissons x2. Mmh. Taper sur des cailloux, bon, de toute façon c'est ce qui est prévu de faire. Ouais, c'est vrai que dernièrement on est moins pêcheur. On est plus... papillons. Ouais, on est plus chasseur de papillons. Ah, on va là où il y a l'argent. Hein. Mmh. Parce que les papillons, l'argent, tu le vois direct. Voilà, là tu sais que ça c'est 2500, voilà. Il n'y a pas à blablater, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de hasard. Tu prends ça, c'est 2500 dans la poche. C'est aussi. Ah, je ne veux pas te parler. Elle est où, Chavrina ? Je sais pas. J'ai entendu elle. Sa voix. Non, c'est elle qui chante. Ils ont tous la même voix, je crois, non ? C'est pas Myrtille qui chantait là ? Alors là. Je pense, hein. Ah non, c'est Chavrina, bien vu. Moulin. C'est mon moulin. Et si on discutait, il y a des tas d'aliments que je connais pas sur cette île. Je pourrais tester de nouvelles recettes. Non, ok. Oui. Ah non, ah, mais ça c'est pas. Ouais, c'est juste. C'est juste. C'est vrai, je sais pas combien pousses. Ça se vend ce truc-là si on voulait les vendre. Ah, arbre à clochette. Oh, mais arbre à clochette, je sais pas si j'ai 10 000. Parce que j'en ai pas marre de planter des 10 000. Pour l'instant, ça a rien sorti encore. Attends, on va voir. Mais ça va sortir, c'est sûr, ça va sortir, mais ça met un peu de temps. 10 000. Allez, un nouvel arbre à clochette, pourquoi pas. Ça fait combien ? 3 ou 4 ? Je sais plus. Tu te rappelles où sont nos arbres ? Moi, j'en ai... Ah, je sais pas. Oh. Ah, c'est qui ça ? T'es qui, toi ? Ils vont Sarah, les servir de plage. Voici mon nom, je le porte avec autant de fierté que je porte mes tapis. Ils arrivent directement de ma terre, fort loin d'ici, pour le confort de ton foyer. J'ai des tapis de petite taille, de taille grande et de taille ni l'une ni l'autre. Les motifs sont connus après l'achat. J'ai également proposé le seul papier peint du mystère pour une surprise profonde. Veux-tu acheter ? Alors attends, le papier peint du mystère, le seul du mystère. Quelle taille veux-tu ? Pour un petit tapis, il compte 1000. Pour un moyen, 1500. Enfin, un grand, tout coûtera 2000. On va prendre le truc du mystère, ça m'intrigue ça. On le mettra dans la nouvelle pièce. Ah non, la nouvelle pièce, c'est la salle de bain, on a dit. Je le mettrai dans ma chambre. Papier du mystère, combien ça coûte par contre ? 3000. C'est un peu trop cher, hein, parce que si c'est 6000, c'est cher. Pas maintenant, après. Après. Non, parce que je vais bien acheter, mais... Voilà quoi, 3000 un papier peint mystère, je sais pas ce que c'est. Là je cherche les trous dans le sol. Oh mon pote. Alors ça c'est vraiment toujours avec sa confort canette. Absolu. Ah toujours la canette de Fanta lui, c'est vrai. Il me faut la même chose à la maison. Ok. Ben, je suis content pour toi, hein, ça fait plaisir. Donc on peut créer des pentes aussi maintenant. Par contre, tout a un coût, tout a un prix. Je sais pas combien coûtent les pentes. Ça évitera de sortir l'échelle, les pentes. C'est bien. Est-ce qu'il y a une fissure là où il n'y en a pas ? Il n'y a pas de trou. Hein ? Non. Ah, là-bas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une branche ? Non, je sais où pas. Où ça ? Là-bas, je sais pas. Pour un peu les cailloux. C'est pas bon, ah, ok. Le dernier coup, ça sert à rien, en fait, c'est 7. Le 8ème. Il y avait un caillou ici ? Je me rappelle plus. Oui. Lui, il a toujours existé. Ah, t'as vu, il y a un fossile. Yep. Allez, un fossile. On espère hein, que ce soit pas autre chose. Après, si c'est 40 000 de clochettes, ça me va aussi. Un fossile. Alors, je vais valider ça, histoire que
Ça passe, ça me donne autre chose. Ok. On plante le poisson. Alors, ouais. On va chercher par en bas plutôt. Et puis on remontera au fur et à mesure. Ah. Ah. Perfecto, mon deuxième fossile. Le reste, c'est pour toi. L'instinct, il était bon. C'est ça. Après, tu me diras, l'île, elle est comme... Ah, il y en a un autre là-haut. Ouais, vas-y. Après, tu me diras, l'île est minuscule. Hein. C'est pas la plus grande île du monde. Ah, ouais, c'est bon, j'arrête tes fossiles. Le reste, je te les laisse. Je vais vite faire passer au ponton vu que j'y suis. The Pontin and Dragon. Alors, y a-t-il un poisson? Pas du tout, c'est bon, ça m'intéresse pas. Du coup, la pêche. Je veux pas pêcher pour. Tu veux pas voir, ah, oui, tu oui, veux pas voir s'il n'y a pas. Voir s'il n'y a pas une bouteille. Ah, voilà. Bouteille, normalement, égale. Oui, égale plan, il y a un plan dedans. En espérant que ce soit. Cher bien anonyme bon. Musclé. J'ai eu un éclair de génie au cours d'une ivresse du coureur. J'ai eu l'idée d'un bricolage épatant. J'étais si exalté qu'il fallait que j'en partage le plan avec quelqu'un. Il ne te reste plus qu'à bricoler. Vive le bricolage, Jeff. Jeff. Quête les belles. C'est quoi ça ? Aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir de suite. Ouais. Ça nous intrigue, ce truc. C'est bizarre ça. J'ai jamais. Je ne sais pas. Hein ? Ah, c'est un poids. Ah, c'est un genre de poids, là. Ça, tu le donnes à Rudy, ça sera ah, le plus content. C'est le plus heureux du monde. Si je donne à Rudy, Rudy, il me fait la fête pendant 12 ans. Hein. Je vais l'offrir à Rudy. Je le crafterai, je l'enverrai par la poste. Tu veux pas monter? Il faut couper du bois. Pourquoi? Pour tes... De toute façon, il me fout du bois, moi. Je peux le couper là? Ah, du bois dur, hein, du bois noir encore. Je vais tout prendre, tant pis, mais bon. Eh oui, pas de bois. Moi, je veux du bois normal, parce que tout ça, là, le bois blanc, le bois noir, j'en ai des tas et des tas, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Ah, c'est pour ça que tu me dis de couper le poids. Non. J'avais pas compris. Planter un arbre fruitier. Mais ils ont pas poussé. Je vais pas planter de pêche. J'en ai marre des pêches. Quoique, faudra peut-être. Oh non, on en a beaucoup des pêches. On en a encore beaucoup. J'ai pas envie de planter des pêches. Après, des cocotiers, tu peux. Hein. C'est vrai. Mais je crois pas qu'ils aient encore poussé. Alors ça, c'est vraiment pour faire de l'argent, c'est le top du top. Je pense que c'est, même ça, c'est mieux que les radis, en fait. J'y ai pensé tout à l'heure, les radis, ça peut, je fais encore un caillou, je te laisse les autres. Les radis, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment les acheter pas cher. C'est combien ça? 2000. 4000. Ah! 1000. Ça c'est 100. Ça c'était 200. Et ça c'était 500 je crois. Ok, c'est pas mal. On va réveiller Thibou. Thibou le hibou. Thibou le hibou. Thibou the hibou. Avec un Z. Alors, expertise. J'ai besoin de ton expertise, mon petit hibou. Ah, dis-moi tout. Dis-moi que tu les as pas. Ah ! Il n'y en a aucun des trois, c'est sérieux ? Oui, quand tu m'as montré combien il lui reste encore, pas. Ouais, mais bon. Allez, vas-y, tu vois. Ah, faire une donation, allez. C'est pas grave. Crâne de pachy. Pachycéphale. Mandibule d'hélicoprion, queue d'iguanodon. Ok. Ça
Et ça déleste moi. C'est avec joie que je me fais délester aussi. Tu peux t'imaginer? Quelle joie. Grave. Il y en a pour 200 000 clochettes, là, rien que là. Tu savais ou pas? Je sais que c'est cher, mais bon. C'est vraiment notre chanteuse, hein. Cet arbre, il va sauter. Celui-là aussi, d'ailleurs. Oh. M'énerve. Celui-là aussi, il m'énerve. Voilà. Moi, quand les arbres m'énervent, je les fais sauter. Lui aussi, il chante. Tout le monde chante la même chanson. Merci. Double applaudissement, c'est incroyable. Oh, vous m'avez applaudi, j'ai cassé mon... Il est content. Il est content. Lui, je sais pas, peut-être que lui, il va pas pousser, en fait. Ces deux-là. J'ai l'impression qu'ils vont pas pousser. Ah, il y a une fleur rose, t'as vu? Derrière. Qui a poussé, ouais. Mmh. Ouais. Du coup, je pourrais la récupérer, la mettre là-haut. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de rose, je crois. Si, il y en a, mais pas assez. Attends, c'est qui ça, le crapaud? C'était le crapaud là-bas, non? Où ça? Là, on le voit un peu, là. Ah, on voit. Voilà, c'est difficile. Ouais, ça doit être lui. J'ai vu sa petite trogne de crapaud, là. Sa petite tête de crapale. Alors, il faut quoi, déjà, pour faire les filets? C'est vrai qu'en ce moment, on casse plus de filets que de canne à pêche. C'est une vérité. Alors ça, je peux le faire. Et ça, eh ben, je peux faire les deux, en fait. C'est bon. On peut tout craft. Je vais aller acheter les plans. Parce qu'il y a des sacrés plans, j'ai l'impression, là, qui sont sortis. Ah ouais? Ouais. Dans la nouvelle... Dans le nouveau bureau des résidents, en fait, la mairie, quoi. Il y a des bons plans qui sont sortis, là. Enfin, il y a des lots de plans, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... On verra. C'est toujours la surprise, les plans. On achète et on voit après ce qu'il y a dedans. Hop. Et on peut aussi échanger 500 miles contre 3000 clochettes. Ah bon? Ouais, un ticket clochette, ça s'appelle. Non, moi, cette mairie, comme elle devient incroyable. Il y a Marie qui travaille là-bas maintenant. Je suis pas allé lui parler d'ailleurs. Elle vient d'où, elle? Elle vient d'être embauchée. On la connaît des anciens Animal Crossing, elle était déjà. Non. Je suis trompé. Voilà. Ça, guide fourre-poche. Regarde. Astuce de haut vol, d'organisation des poches permettant de porter plus de choses. Mais bien sûr. En plus, il n'est pas cher. 8000 miles? Oui, croyais que c'était 800. Je n'ai pas vu le Donc zéro. Ça, c'est un inventaire encore plus grand. Je ne pensais pas qu'il y aurait un inventaire plus grand, franchement. Je ne m'attendais pas. Donc ça, c'est cool. Ah, d'accord. Tu as tout compris. Tu as appris l'art de l'organisation et tu as optimisé tes poches pour y ranger encore plus de choses. Ah, ça rajoute une ligne, carrément. Ah oui. C'est tout. Ah, mais c'est pas mal. 10 objets, 10 papillons, 25 000. C'est comme ça qu'il faut réfléchir dans ce jeu. Et là, clôture barbelée. Bon, ça, c'est nul. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Après, regarde les plans qu'il y a. Fontaine à breuvoir, pierre gravée, plaque d'égout, brise-lame, poteau indicateur, arche en pierre, puits en brique. Puis simple, stand, bain extérieur, wow. Fontaine, elle est pas mal la fontaine, silo, je me demande s'il est haut le silo, s'il va haut tu vois, parce que normalement un silo ça monte très haut, robot géant, alors ça je le veux ça, ça c'est mon prochain achat le robot géant, après un achat sans plan, WC mobile, panneau de travaux, poteau électrique, on l'a déjà offert ça, réverbère, siège de maître nageur, ah sur la plage, ça va être stylé ça. Animal sur ressort, distributeur de boissons, pourquoi pas, distributeur d'encas, paire de chaises sur poutre, télescope panoramique, bac à sable, cabine téléphonique, incroyable, horloge publique,
cage à poules. Ah ouais, ce jeu, on l'avait ici. Ils l'ont retiré parce que c'était trop dangereux. Stand de Barba Papa, but de foot, des cages de foot, éoliennes, panneaux solaires, paraboles, figurines de monstres géants. Alors ça et le robot, je veux les deux. Manège, tasse à café, même je veux tout en fait. C'est ça le problème. Piscine, oh la piscine. Wow, la classe. Ah non, la priorité, ça va être la piscine. 5000, c'est la piscine la priorité. Bon, après, ça, c'est les vêtements habituels, je crois. Ça n'a pas changé. Ouais. T'as vu tout ce qu'il y a ? Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Combien de miles nook il me faudra pour ça ? Toute ma vie, il me faut. Je pourrais jamais acheter tout ça. Attends, je veux voir la boutique, ce qu'il a. Articles spéciaux. Ah, mais c'est les mêmes. Ça, ça n'a pas changé, par contre. Attends, ça. Ça change. C'est une chanson, ça. Je vais la prendre. C'est quoi les chansons ? Il faut que je les achète toutes. Ah, c'est livré par voie postale, c'est vrai. On est d'accord, c'est une chanson, ça, non ? Je sais pas, franchement. Je sais pas, en fait. Je vais parler à Marie. Pour leur parler, il faut s'asseoir sur la chaise. Ah, elle m'a vu. Bienvenue. Vous l'avez peut-être oublié, mais je m'appelle Marie. Je ferai de mon mieux pour vous rendre la vie sur Lydia aussi merveilleuse que possible. Si vous venez me trouver ici, je vous aiderai à résoudre aussi bien les problèmes généraux que ceux que vous pourriez rencontrer avec d'autres résidents. Mais je vous exposerai les détails si le cas se présente. Nul besoin de vous en préoccuper pour l'instant. Cela dit, puisque vous êtes là, autant vous poser la question. Y a-t-il quelque chose qui vous ennuie ces temps-ci ? Justement, oui, on va voir. Oh, quel bonheur ! Voilà ma toute première mission officielle. Oh, pardonnez-moi. Quel manque de professionnalisme, c'est inqualifiable. Reprenons, si vous le voulez bien. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Changeons l'hymne, changeons le drapeau. Problème de... Ah, je peux virer des voisins. C'est ça que ça veut dire ? Je sais pas. Ah, changeons l'hymne. C'est quoi l'hymne de... L'hymne de notre île, il faut dire qu'il est difficile de passer à côté. Ah, c'est ce qui change. Ouais, je crois, c'est ce qui chante, ça m'énerve. Cette chanson, elle m'énerve. Et puis, comme c'est un hymne, ce n'est pas si difficile. Alors, vous voulez en proposer un nouveau, dites-moi. Attends, je peux... Ah. Jouer, attends. On va faire un hymne complètement au hasard. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez, ça va être notre hymne. Il est complètement nul, mais ça va être notre nouvelle hymne. J'ai enlevé le bruit de chèvre. Bah, je sais que t'aimes bien, mais... On est en train de le chanter ? Oui. C'est ravissant avec une hymne pareille, je ne serai plus le verre de Bethelia. Ah, ils vont le diffuser. Oui, parce que les chanteurs, les habitants vont le chanter. J'aurais dû laisser la chèvre, en fait. Ça aurait été marrant qu'ils chantent ça. J'aurais dû laisser le petit bruit de chèvre. Alors, il faut juste trouver... Il est où ? Il est là. Ah. C'est l'hymne. Lydia dans l'âme. Mmh. 500. Bah, je vais avoir besoin de beaucoup. Hein, donc, envoie les miles. Envoie les miles. Envoie les miles. Et nous qui passe, fait la poussière. Il est en train de passer la petite serpillière. Là. Mmh. Nous qui. Bon, bah, c'est pas mal. Ça avance cette île. Hein. Alors, la fleur rose. Hop, il y a une rouge aussi, je crois. Ah, il y a ça qui a poussé aussi. Il y a aussi un papillon vert, là. Voilà, tout ce qui dépasse, on le trépasse. Je croyais que c'était ça leur hymne. Ils ont pas changé l'hymne. Moi aussi, pour moi c'était ça l'hymne, mais apparemment c'est pas ça.
Je vais planter ça au milieu, tant pis. C'est pas la même sorte, variété, mais bon, tant pis. On va mettre masse de plantes. Hein. Ça va être plantanas ici. C'est la plantation instantanée, là. Tu vois. Alors. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. Ça c'est bon, c'est épongé. Des trous, là. Ouais, c'est des pousses, mais j'en ai pas besoin. I don't need the pousse. Ah oui, on a compris la technique hier des abeilles. Pas se faire embêter par les abeilles, il faut avoir un filet. Et c'est le prix carrément des papillons, frère. Ouais. Ah, c'est ça l'hymne. Ah ouais. Ah, c'est peut-être ça l'hymne, parce qu'il est 16h. Il est 16h. Ah, toutes les heures, ça sonne. Oh là là. Ah, moi, mon meilleur hymne pour moi, c'est ça. Oh, ça m'arrive. L'hymne de l'argent. Incroyable. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il a, lui? 4 coups. Ouais, ça va, ça pourrait pas être comme moi hier. Ah oui, non, mais toi, hier, t'as mis 13 coups, je crois, avant de réussir à le choper. Ça, c'est un arbre à argent, ça, on est d'accord. Et oui, forcément, sinon on l'aurait pas mis là. Toi, le tien, c'est celui-là. C'est celui-là? Alors, ou celui-là? Un des deux. Non, alors, ou en bas, plutôt. Pas. Pareil, je me rappelle pas. Bon, je vais t'acheter des trucs mystères, mon pote. Allez, vas-y. Parce que je suis sûr que ce chameau, enfin, cette chamelle, du coup, elle vient pas tous les jours. Allez, le mystère. Vas-y, oui. Ton paiement peut maintenant intégrer ma bourse. Ça va, respecte-moi un peu. Je t'achète des choses, non? Parle-moi bien. Ton paiement peut intégrer ma bourse. Peut maintenant intégrer ma bourse. Ok, le seul mystère. Oui, ton paiement peut maintenant intégrer ma bourse. Ok, aucun respect. Aucun respect. Pas de respect du client, je retiens. Attends, je veux voir les grands tapis. Là. Ça m'intrigue, les grands tapis. Je veux mettre des tapis chez moi. Là. Je veux pas me contenter de... C'est combien? C'est 2000. Oh là là, je prends un grand. Ah, mais je sais même... Ah, même ça, c'est mystère. Ah, d'accord. J'ai dépensé combien? 6 8000. J'ai claqué 8000 clochettes. Si j'offre comme cadeau des tickets Sarah aux généreux clients qui procèdent à l'achat des tapis. Si tu réunis 5 tickets ensemble, tu peux les échanger contre tes papiers peints au sol. Ah. 3 tickets. D'accord. Bah, je t'en reprends un, ma copine. Non, je prends un tapis moyen, du coup. Ça va faire 2 tickets, je suppose. Ça me fera 5. Moyen. Donc j'aurai un mystère gratuit, c'est ça? Alors là, on va voir ce que c'est. 2 tickets, voilà, c'est bon. 2 tickets, comme ça, je claque les tickets direct. 5 tickets, ça rentre ta possession. Souhaites-tu les changer contre mystérieux papier peint? J'échange. Allez. Le papier peint ou le sol? Le papier peint. Ah, ce business avec Sarah, c'est incroyable. Allez, à plus. C'est bon, j'ai assez acheté chez toi. Bye bye. On voit ça. Dans mon jardin, ils sont maintenant. Oh là là, c'est magnifique. Ils sont dans le jardin. J'ai même pas à sortir. Par contre, dans le jardin, il y a aussi les araignées. Ça, c'est pas cool. Les tarentules. Pas les araignées, les tarentules. Elles sont aussi dans le jardin maintenant. Oh, ça, c'est pas très, très cool. It's not very cool. Alors, attends. Le papier peint mystère, je vais le mettre dans la chambre. Le papier peint, le sol. On va le mettre dans la chambre. Ouais, on va les mettre ici. Donc, j'ai un tapis moyen. Le tapis moyen, je vais le mettre là. Sol, fleur, sauvage. C'est ça les trucs mystères? Tapis alors. Aluminium. Attends, on va se mettre en mode comme ça, là. Créatif. Ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc ça, c'est comme ça. Et ça. Waouh! Ah ouais, d'accord. Je suis dans, un cluster, c'est des serveurs. Ok. Attends.
Ouh, les grands, lui. Ah, ça, c'est le grand. Ok, le grand, je vais le mettre pas ici. Donc, attends, comment je reconnais le grand du pas grand Ah, mais du coup, ah oui, mais ça met tout dans. What? Eh, c'est ça le seul que. J'ai acheté ça. Wow, le tapis. Tu peux t'en servir pour la chambre enfant. Hein. Ça va être ma chambre. Non. C'est sérieux là ou pas? Oui. Moi j'ai dit que non. Mur, celle des serveurs. Et ça c'est quoi? Mur textile blanc. Ça c'est le mur de base. Sol, latte, sapin. Non, ça c'est le truc de base ça. Ah bon? Ah mais c'est vrai. Mais pourquoi il range tout en fait? Ça c'est un peu nul. Il range tout là-dedans. Au lieu de mettre dans les poches. Tapis aluminium, ça c'est pas mal, j'ai bien aimé. Sol en béton, non, ça c'est ce qu'on avait acheté il y a longtemps. Et ça, on achetait il y a longtemps aussi, mur en béton. Ah, j'ai un sol en béton et un mur en béton du coup. Salut dragon, salut, salut. Coucou. J'ai un sol et un mur en béton, ça peut être pas mal ça. Ouais, pour la salle de bain. Ouais, ça peut être cool. Bon, en plus, t'as les... Le mur là. Oh, regarde, on dirait il pleut. J'aime pas ce mur. Hein. Je préfère encore mettre le truc des serveurs. Hein. Je préfère encore ça. Hein. Ça, je préfère ça. Waouh. Je suis dans un cluster. Je suis dans le cloud. Je suis connecté. Non, mais même ça, c'est nul. C'est complètement nul en fait. Non, c'est nul. C'est complètement nul ce que j'ai acheté là. Ah non, c'est nul. Ça m'a c'est pas grave. Hein. J'ai dépensé des milliards là pour ça. Je vais les revendre. Non, sauf les tapis. Les tapis, j'aime bien, par contre. Les tapis, j'avoue que les tapis, c'est pas mal. Les tapis, c'est pas mal. Tapis à rayures vertes. Non, mais tapis à rayures vertes, ça va pas. Ça va pas, tapis à rayures vertes, ça va pas, ça va pas, ça va pas aller ici. Sauf si je change le sol, mais dans ce cas, si je change le sol, je dois tout changer, quoi. Sauf si je mets dans la cuisine. Sois-tu intéressé par un échange de fruits-fleurs? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Toujours intéressé par des échanges. Un peu bizarre, mais ça fait bizarre, mais ça peut aller, bah c'est bizarre, hein. C'est bizarre. It is strange. C'est très, ouais. Bon là j'ai des disponibles actuellement, j'ai que des pêches. Après en fleurs, je saurais pas te dire exactement ce que j'ai, mais en fruits, j'ai des pêches, sinon j'ai des pommes et des cerises qui sont en cours de pousse. Mais qui n'ont pas encore poussé. Après, en fleurs, j'ai un peu de tout. J'ai des lys, mais un peu de toutes les couleurs. Mais pas en quantité énorme. Tapis aluminium. Ouais, il est bien ce tapis, j'aime bien celui-là. Ça va bien ça. Non, je suis sorti. Voilà, c'est bon ça. Nickel, un petit tapis. T'as pas de pêche? Ah ben des pêches, j'en ai à foison. Moi j'ai pêche, pomme et cerise. Tout le reste, j'ai pas. C'est quoi ça? Il va jamais pousser, je crois. Faudra faire le ménage ici aussi. Ah. Allez. Pour le plaisir. Un scarus. Un scarus. Allez, un scarus. Un scarus. Un scarus. Limande. Bon, c'est pas tout à fait la même chose.
Hein, l'immonde. Hop, ça dégage. Ah, insupportable. Ces pêches pourries là, c'est insupportable. Ah là là. Ici, il y a du poisson là. Ah. Alors lui. 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 Oh là là. Oh là là. Je te propose de passer sur mon île. Ok. Je te prends des pêches. Je prends des pêches et j'arrive. C'est le seul fruit que j'ai à dispo. Et en plus, c'est celui qu'il te faut. On prend une dizaine, ça devrait suffire, non? Tant que tu plantes ça, que ça pousse. Je vais juste vendre mes papillons avant. C'était quoi en haut là qui volait? Non, c'est... Non. Ça devait être... Ah, les fleurs, j'en ai pas beaucoup. Elles sont plantées et j'en ai pas un rap des fleurs. Je vais te montrer. Je me suis pas trop positionné sur les fleurs. J'ai juste fait un petit jardin chez moi autour. J'ai ça en fait ici. L'hélice. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom de ce truc là. Toi, par contre, toi, je sais comment tu t'appelles toi. Voilà, j'ai ça. J'ai ça et les. Je sais plus aussi comment ça. J'ai pas les noms des fleurs. Je les retiens pas. J'ai ça là-haut, là. J'ai plus les noms. Il y en a que j'ai trouvé sur l'île mystère, il y en a que j'ai acheté. Mais il y a des couleurs que j'ai trouvées que sur une île mystère. Alors, achète-moi des trucs. Faut que je vois le prix des papiers peints parce que là je me suis bien fait arnaquer quand même. Ah, je me suis fait arnaquer là. J'ai oublié de vendre le poisson. $30,000, c'est pas mal. Alors, ça, tu me l'achètes combien ce truc là? Oh, c'est un. Oh. Tant pis, je les garde, je les offrirai au pire. J'en ferai des cadeaux, tant pis. 30,000. Je vais ranger ça. Le calmar à 500, bien sûr. Ah, les fleurs, pour l'instant, c'est chaud. Je suis en train de faire mon jardin, en fait. Et dès que mon jardin sera fait, oui, mais là ça va être compliqué, là. Parce que les fleurs, elles attirent certains papillons qui m'intéressent beaucoup. Je peux pas me permettre de les lâcher. Elles attirent les papillons verts. Les papillons verts, ça se revend plutôt bien. Après, je sais pas si c'est. Je sais pas pourquoi ça les attire, mais bon, ça les attire. Après, on pourrait tenter une de chaque. Chaque couleur. Chaque couleur, il te faut. Une jaune, une blanche, une rouge, une rose. Une... Parce que. Rien que les noirs, déjà, j'en ai que deux. Deux ou trois. Le noir, ça va être compliqué. Ah, j'en ai pas beaucoup, les noirs. Ah, toi, viens là, toi. Hop. Comment ça se fait? T'as pas du tout de fleurs? T'as pas du tout de fleurs? Comment ça se fait? Qui est en faille? Oh. À gauche, ça doit être un vert aussi. Là, c'est sûr. Oh là là, c'est la pluie des papillons verts, c'est incroyable.
les as pas toutes, mais tu veux une de chaque. Bah, dis-moi celle que t'as pas, en fait, les couleurs que t'as pas. Ce sera plus simple que j'arrache tout. Après, moi, pour moi, les couleurs rares, c'est le noir, la lys rose. Je les ai trouvées une fois sur une île. Et j'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur l'île et il n'y avait que ça. Donc voilà, après pour moi le reste c'est Chinook. Attends, je vais vendre. Je vais vendre ce que j'ai et j'arrive. Ok, tu as mis le code, d'accord. Bon, je vends ça. Ah, juste comme ça, je vais regarder aussi le cours des navets. Même si j'en ai plus, malheureusement. Je les ai vendus au pire prix. Allez, 10 000, ça me fait plaisir. Merci. Juste comme ça, ça a combien les navets ici? Waouh. Ah putain, j'aurais jamais dû les vendre. Ça abuse. Chaque jour, le cours augmente, c'est incroyable. À 161. Oh là là, je les ai achetés à 93 et moi je les ai vendus à 122. Ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, lui, j'achète plus jamais de papier peint. Hein. Les murs roses et oranges, ce sont. Les murs? Ah, les noirs roses et oranges. Ah, d'accord. Des hybrides. J'ai trouvé ça sur une île. Hop. Allez voir quelqu'un. J'en ligne. Okidoki. Avec un dodo code. J'ai un dodo code pour toi. Alors c'est 0. 0 JW3H. W. Recherche des îles. Mercantile. Waouh. Meilleur nom. Meilleur nom, Mercantile. Et c'est parti pour le décollage vers Mercantile. On va survoler l'île. Ouais, je sais. Pour ça, c'est pour moi un des Zelda sur lesquels j'ai passé le plus de temps et que j'ai le plus aimé, le plus de temps dans le sens où j'ai fini deux ou trois fois à l'époque sur GameCube. Meilleur Zelda. Dans mes souvenirs, bien sûr. Ah là là, Mercantile. C'était beau, ça. Alors, vue de haut. C'est pas mal. Ah, mais... T'écris un message ou quoi avec les fleurs? Ah, il fait coucou! Avec son masque. Il fait coucou! La musique, quand je parle au perso de ton île, ok. Waouh! Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais dis donc, t'as pas chômé comme on dit dans le milieu. Ah ouais.
Ah ouais, merci mon pote. C'est quoi ça? C'est des oranges? Ah, c'est des oranges. Ah, il y a des poires aussi. Ah, moi je veux juste orange et poire. Pomme G. Non, ça G. Bah, je prends. Tu les as fait tomber, je vais les prendre. Ça se fait pas. Et les poires, ah, les poires, ça m'intéresse beaucoup là. Je savais pas qu'il y avait des poires. Ah, c'est intéressant comme t'as fait. La reproduction de fleurs. Ah bon, je savais pas que c'était possible ça. C'est pas mal, hein? C'est... Oh oui, d'accord. C'est vraiment pas mal ce que t'as fait là. Oh non, c'est bon, je te les laisse les fleurs, t'inquiète. Je veux pas, j'oserais pas toucher à ce magnifique champ de fleurs là. C'est impossible, je veux pas. Je veux pas, c'est... Ça pétille trop là. Tu les as arrosées tes fleurs aujourd'hui, c'est ça? Tu les as arrosées là, non? Je vois qu'elles sont mouillées. Ou bien c'est parce qu'il a plu ou c'est des villageois qui arrosent? Ça fait combien de temps que t'as le jeu? Parce que moi ça je l'ai pas ça. Sœur doigt de fée là je les ai pas elle. Ah je veux pas me spoil la suite du jeu, je veux pas me spoil. Ça fait combien de temps que tu l'as le jeu? Oh! Oh j'ai cru que c'était un papillon. J'ai cru que c'était un... Ah j'ai failli sortir mon filet là. J'ai cru que c'était un vrai papillon. Depuis sa sortie, comment ça se fait? Ah, t'as peut-être remboursé les crédits avant moi alors. C'est pour ça. J'ai vraiment cru que c'était un vrai papillon lui. Par contre, j'ai vu que t'as des libellules. J'ai vu que t'as des libellules. Moi, il me semble, hein, non? Il y a des libellules. Ah, tu cheats, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ouais, mais faut pas jouer comme ça. Faut pas jouer comme ça. Faut pas jouer comme ça. C'est pas bien de jouer comme ça. Faut pas jouer comme ça. C'est quoi ça? Bah, quand même. Travel time, c'est changer l'heure de ta console, c'est ça? Non? Mais j'ai pas compris. C'est censé être quoi ça? Une console de mixage? Ah d'accord! Il a des scorpions! Oh. Par contre, la caméra là-haut. Ah ben oui, mais c'est du cheat ça. Changer l'heure de la console, c'est du cheat. 100%. Ah ben oui. Tu peux pas dire que tu changes l'heure de la console si tu cheats pas. Non. C'est forcément du cheat, c'est pour avancer plus vite. Ah d'accord. Attends, il est où? Faut voir ta map comment elle est. Ton ponton il est en bas à droite. Ah ouais, t'as 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, t'as 7 villageois chez toi. Quelle heure il est chez toi d'ailleurs? 27 mars. Ah, c'est la bonne heure. Ah oui, ça fait des voyages dans le temps. Marty McFly, tout ça. Ah, d'accord. T'as de l'argile ici. T'as de l'argile. Ça, c'est une bonne idée que t'as fait là. Ça, je pourrais la récupérer. Les allées comme ça d'arbres. C'est ouais, c'est vraiment collé serré quoi. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Ça c'est parce que moi ça met des années à pousser ça, mais il faut 3 jours à peu près je crois pour que ça pousse. 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours. Camping. D'accord, faut juste arroser tous les jours. Ok. J'irai arroser tout à l'heure, j'ai pas arrosé encore moi. Ah d'accord. Ça met des dinosaures dehors. Ok. Oups, pardon. J'ai failli casser ta fleur. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des insectes que j'ai jamais vu de ma vie ici. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce truc? T'es quoi, toi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu as attrapé un Geotrupida. Trupide. Hein, je sais pas. C'est le genre d'insecte qui reste collé aux terres. Hein? Ah. C'est une métropole, ton truc, ça y est. C'est une métropole. Et des cœurs. Pourtant, t'as une godasse là. Une question que je me pose, est-ce que ça fonctionne ou pas, ou c'est juste de la déco? Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que ça marche pas, ça. Par contre, ça, je sais que ça fonctionne. Ah. Ah, ça fait plaisir. On peut l'arrêter? Ah, on peut l'arrêter. Moi, j'arrivais pas la dernière fois sur mon île. Par contre, faut couper l'eau. C'est pas mal cette statue là. La gargouille. Je vais te filer des graines, fleurs de mon île. T'as vraiment des couleurs chatoyantes quand même, ça chatoie. Attends, ça c'est quoi ça? Je l'ai pas lui. Une sauterelle. Mais comment ça se fait d'avoir des sauterelles et tout toi? C'est les fleurs qui attirent ça ou... Comment ça se fait? J'ai jamais vu ces insectes moi. Devant le shop. Le shop business. Ah oui, d'accord. Ah ben merci. Des chrysanthèmes rouges. Des chrysanthèmes jaunes. Des chrysanthèmes blancs. En plus 5 à chaque fois. Des pensées jaunes. Des pensées rouges. Des pensées. Des cosmos. Cosmos. Ça j'aime bien ça, cosmos. Je suis hémisphère sud. Ah, t'es hémisphère sud. Mais pourquoi t'as pris hémisphère sud? En fait. Ah, comme ça tu vas dans des îles hémisphère nord et tu... Ah, c'est malin. C'est un malinois le petit. Il est malin. Ah, d'accord. T'as fait... Ah, oh, ça c'est classe. J'en ai un comme ça moi aussi. Ah, c'est un petit malinois. Nous avons affaire à un malinois de la race et des petits malins. Ah, par contre, le cèdre là, c'est pas sa place. Hein. Oui, d'accord, ça va dans l'hémisphère sud pour pêcher du rascal. Ah ouais, d'accord. Ah, donc en fait, je vais pas me spoil. Donc ça, c'est pas maintenant, ça en fait. Ah merde, je les ai pêchés du coup. Ah ouais, c'est dommage. Enfin, je les ai capturés. Je vais rien capturer. J'ai pas envie de me spoil. Ah, t'as un message ici. Oh, pardon. Par contre, il n'y avait pas l'air d'avoir de plan dedans. Waouh, il y avait un plan. Incroyable, je l'ai pas vu. Parce que d'habitude, on le voit à travers... Ah, je peux pas utiliser ma hache ici. Oh, ok. Non, je l'ai celui-là. J'ai ce truc-là. C'est quoi, ça? Ah, des grèves de samouraï. Ah non, c'est vrai qu'elles ressemblent toutes. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est vrai qu'elles se ressemblent toutes, en fait. Non. C'est gentil, mais non. J'ai pas porté des tongs chaussettes.
Les tongs chaussettes, c'est pas mon délire, les tongs chaussettes. Un applaudissement humain. Bon, ben je vais te laisser à ton île. Moi, je vais m'arrêter 5-10 minutes, moi. Je reviens tout à l'heure. Je peux avancer chez moi aussi. Ben bon jeu, mon pote. Dans ton hémisphère sud, du coup. Hémisphère... Ouais, les bambous, j'ai les bambous. J'ai trouvé sur une île mystérieuse du mystère. Ah, j'allais dans l'hémisphère sud. C'est incroyable. Le vol a été rapide, par contre. Bon, ben, amuse-toi bien, alors, dans ton hémisphère sud. Moi, je vais continuer dans mon nord. Dans mon petit nord, chez les ch'tis. Je reviens.